Si le silence sillonne quand nos cils se ferment, apprécions-le car le temps n'est pas si long. Ici et là, hélas, si l'homme n'était pas si là de ce pas ciblé, de ces syllabes en liasse qui enlacent une domination peu citée, mais pourtant bien réelle devant ses yeux qui s'ouvrent, alors il se laisserait plus salé sans avoir besoin de mettre du poivre. Parce que nos vies s'illuminent en levant son poids. Saluons l'homme salé seul, qui souvent sait plus que ceux qui le méprisent quand il est allongé au sol. Le silence plane l'homme entre les âmes représentant les extrêmes opposés. D'un côté, celui qui dans sa solitude est peu solide, à la recherche de gens solidaires, tristes derrière son masque qui ne cesse de se morfondre. Et d'autre part, la sagesse qui nécessite un vide le plus total. Rien qui fait le tout, qui enlève ce qui agresse pour être plus doux. Au final, un grain de sable ou un brin de paille pourrait remplir ce trou. Avec des si, on met Paris en bouteille. Alors qu'avec des sons, ça s'est su que ce n'est qu'un bout de rêve. Nous avons tous la silhouette du singe, mais le cerveau tourne sur la girouette du sein. Si l'aide était plus simple, alors nous vivrions dans un monde plus humble. Est-ce que t'aperçois la forêt? Les branches s'entremêlent, par-dessus dessous faisant des nœuds fluides. Enfin, quoique, les feuilles et les fruits sont les idées qui germent. Les branches sont le cerveau. Plus bas, est-ce que tu vois cette branche cassée? Celle qui manque sûrement par un geste propre à la connerie de l'homme. Ce qui lui a mis du temps à cicatriser. Et qui ressemble comme à deux gouttes d'eau à une ampoule due au frottement de la bêtise. Encore un peu plus bas, on aperçoit le tronc. Autrement dit le buste, celui qui est plein de cicatrices. Et son écorce a beau être épaisse, il y a des trous, des failles, mais surtout une écorce. L'épiderme de la force, la couverture qui nous borde comme un soleil. Les tatouages sont visibles, peinant à oublier ses douloureux souvenirs. Qu'il se les fasse faire ou non, de toute manière, cela lui a été infligé sans choix. La terre me nourrit, et quand l'humain fout la merde dans l'alimentaire, alors cette terre fertile devient toxique. Elle me fait pousser de travers. Nous sommes tous reliés de cette manière, en dessous du sol. Et si tu butes un arbre qui est relié au mien, alors tu me buteras une bonne moitié de ce que je suis. J'ai besoin des miens pour me nourrir chaque jour. De cette énergie positive plus bas, toujours, toujours plus bas, en arrivant aux racines, les ancêtres, ceux qui nous ont fait. Et comme dans la réalité, elles, ils sont sous terre. Je suis, tu es, nous sommes les arbres de nos vies. Ils voudraient qu'on pense qu'on n'est pas plus que des étiquettes, qu'on sombre dans le silence pour oublier leurs erreurs, qu'on soit des moutons ou des biquettes, qu'on se noie dans la piquette pour se voiler la face devant l'horreur. L'essentiel, ça serait qu'on soit enfin tous unis. L'essentiel, ça serait qu'on retrouve un but à nos vies. L'essentiel, ça serait qu'on retourne à l'essentiel, car l'aspect financier nous fait vivre sans ciel. Ils voudraient qu'on pense qu'on n'est pas plus que des étiquettes, qu'on sombre dans le silence pour oublier leurs erreurs, qu'on soit des moutons ou des biquettes, qu'on se noie dans la piquette pour se voiler la face devant l'horreur. L'essentiel, ça serait qu'on soit enfin tous unis. L'essentiel, ça serait qu'on retrouve un but à nos vies. L'essentiel, ça serait qu'on retourne à l'essentiel, car l'aspect financier nous fait vivre sans ciel. Nous sommes qu'une forêt silencieuse en attendant l'incendie. Et tu dépenses 5,80€ pour tes cigarettes, alors que l'évolution culturelle et mentale ne vaut pas un centime. Omer ta musique, Mélane, retour à l'essentiel. Écoute ton cœur.